toutes et tous. Voilà, je poste cette vidéo pour vous présenter le Water Cooling MSI, le MPG Core Liquide K240, qui c'est celui-ci. Voilà, vous avez la nomenclature de ce Core Liquide, c'est le K240, il est marqué ici, vous le voyez. Mais vous l'avez aussi en K360, il existe la gamme juste au-dessus, à trois ventilateurs. Moi, celui-ci me conviendra très très bien pour ma nouvelle configuration. Alors, dans la boîte, vous voyez, dans cette boîte-ci, elle se compose, je vais l'ouvrir devant vous, comme ça vous verrez en même temps, elle se compose du guide, le guide de montage, qui est en papier glacé, que je trouve qui est assez sympa, bien, bien explicite. Vous voyez, ça explique tout ce qu'il y a dans cette boîte, hein, vous avez toutes les vis, le capot, tout ce qui est les petits câblages, les adaptations pour soit les Intel ou soit les AMD. Voilà. Là, voilà, je vais vous montrer là. Là, vous voyez ici, vous avez toutes les nomenclatures pour Intel, pour les supports du CPU, vous voyez ici. Là, vous avez le CPU ici avec son support. Vous avez toutes les nomenclatures ici pour Intel. Et de l'autre côté, sur l'autre page, vous avez tous les nomenclatures de CPU pour la marque AMD. Voilà. Alors, dans cette boîte, elle se compose très précisément, bien sûr, des deux ventilateurs RGB de chez MSI qui vont avec. Bien sûr, avec leurs deux petits câbles tressés. Je trouve ça hyper classe, hyper sympa. Vous voyez, vous avez les deux branchements pour chaque câble, hein. Vous avez les câbles pour les fans ici. Voilà. Ensuite, vous avez le primordial, hein. Vous avez le CPU, bien sûr. Je vais vous le montrer ici. Le CPU avec l'écran LCD qui se trouve ici, qui est programmable par rapport à une application de chez MSI que je vous ferai le petit montage que je mettrai avec la vidéo pour que vous voyez bien la configuration de l'écran LCD. Soit vous pouvez laisser le logo, soit vous avez la vitesse du processeur dessus et il n'y aura aucun souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là derrière, vous avez bien sûr la pâte thermique qui est déjà dessus, hein, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Et bien sûr, vous avez, je vais le poser pour pas l'abîmer, et vous avez bien sûr tous les câblages de branchement. C'est sûr, hein, quand les gens ne connaissent pas les montages PC, pour eux, c'est du charabia et du chinois. Alors là, vous avez la prise, celle-ci, cette prise-là, c'est pour la prise que vous allez mettre sur le branchement JUSB de votre carte mère. Ensuite, vous avez ici, bien sûr, les branchements pour les deux fans. Vous allez brancher vos deux fans dessus avec ce petit câble qui est fourni avec, bien sûr, pour comme ça vous évite d'avoir une ribambelle de câbles qui traîne. Voilà. Là, après, vous avez les deux branchements, le branchement, pardon, du CPU ici, que vous brancherez sur votre carte mère. Et puis ensuite, l'alimentation, du CPU, hein, vous avez une alimentation SATA. Voilà. Vous avez tous ces branchements à mettre sur votre carte mère et sur votre boîtier d'alimentation. Ensuite, vous avez, comme je disais tout à l'heure sur la petite revue, vous avez les adaptateurs AMD avec les vis AMD qui sont dedans. Je vais vous les sortir comme ça, vous les verrez mieux. Voilà. Là, vous avez les vis pour AMD. Vous voyez, c'est bien marqué dessus AMD. Là, après, vous avez les vis avec les rondelles pour fixer les fans sur le radiateur. Et là, vous avez bien sûr tout ce qui est visserie pour toutes les versions Intel. Après, ici, vous avez les socles pour Intel et ici pour AMD. Voilà, AMD, Intel. Voilà, vous avez tout ça, tout ceci. Et après, bien sûr, hein, vous avez le radiateur en 240 qui se trouve là, protégé par un petit carton. Je vais sortir devant vous. Voilà, vous voyez le radiateur. Voilà, très très beau radiateur, très bien fait. Vous pouvez
Après, je vais vous montrer. Hop. Ici, vous avez les emplacements. Voilà, ici, vous avez les emplacements, comme vous voyez, pour les visseries des CPU, des fans, des deux fans. Voilà. Là, c'est la version 240. Mais vous aurez bien sûr 120 mm de plus si vous prenez la version en 360. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à liker, hein, à lâcher vos plus beaux pouces. Et puis, à marquer vos commentaires en bas. Et si cette belle bête vous intéresse, je vous mettrai les commentaires, je vous mettrai le lien de ce produit, pardon, voilà, je vais y arriver. Je vous mettrai le lien de ce produit pour que vous puissiez à votre tour en bénéficier pour votre configuration, si vous voulez, bien sûr, l'octroyer pour votre configuration. Alors, je vous remercie à tous et toutes, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Voilà, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Bon, je vous montre l'application ici, qui se trouve ici. Vous pouvez la télécharger sur Google. Hein. Vous marquez application Core Liquide LCD K240 ou le K360, c'est la même application. Vous l'ouvrez, moi je l'ai déjà ouverte. Hop. Et ici, vous avez toutes les configurations à faire. Vous avez la configuration du hardware monitor, des images. Vous voyez, vous avez le choix des images ici. Je pense qu'ils vont vous proposer plusieurs images à intégrer sur le LCD du CPU. Le Customize Banner, le System Clock. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous irez, je pense, paramétrer les Fan Settings. Ici, je pense que vous irez paramétrer ceci. Je ne peux pas vous expliquer parce que là, je ne l'ai pas encore branché sur le CPU. Je ne peux pas vous dire. Et après, vous avez le Fan RGB, bien sûr, pour, je pense, paramétrer et configurer les Fan RGB pour la future config que vous voulez faire dans votre PC. Alors voilà, je vous dis à toutes et tous à une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, lâchez un pouce bleu et marquez vos commentaires en bas de la vidéo, ça me permettra à faire de meilleures vidéos, à m'appliquer pour vous faire de meilleure qualité. Alors je vous dis à une prochaine. Je vous mettrai bien sûr le lien en bas de la vidéo pour les personnes qui seraient intéressées par ce water cooling de chez MSI. Je vous mettrai le lien pour y avoir accès direct. Alors n'hésitez pas. Hein. Et puis je vous dis à toutes et tous à une prochaine. Au revoir.